Ces corps ont été retrouvés dans une fosse commune à Los Elos Centre. Les uns et les autres couverts de feuilles mortes des bananiers ont été découverts dans une bananeraie près de l'église CK20 locale, rapportent nos sources. Ces dépouilles ont été enterrées par la population civile et les forces de sécurité, confirme le lieutenant Tony Malouchaï, porte-parole des opérations Soukoula 1. On a retrouvé plus de 50 corps ADEF que l'ennemi avait enterré. Ce sont des corps de rebelles, ce sont des corps de terroristes, parce que quand il y avait combat, les terroristes se précipitaient pour enterrer ces corps. Alors c'est hier qu'on a découvert que l'ennemi enterrait ses morts avec précipitation, mais du moins nous avons vu des indices, parfois des bras étaient restés dehors, d'autres parties du corps étaient dehors. Nous avons déterré avec la population locale. Nous avons tous découvert que c'était des ADF. Ennemi se précipite d'enterrer les morts. C'est aussi ça la guerre. La guerre, c'est donner l'impression qu'ils sont invulnérables. Nous avons, avec la population civile, enterré ces corps. Parce que nous sommes un pays qui respecte les droits de l'homme. Cette découverte intervient après que les forces armées de la RDC aient annoncé la défaite des ADF dans le village de Los Elos le week-end. Pendant les affrontements, deux grands commandants des ADF auraient été tués par les FARDC, parmi lesquels un de leurs médecins, ce qui porte à croire que leurs combattants blessés n'ont pas survécu par manque de soins. Pendant ce temps, deux présumés ADF ont été présentés ce mercredi par Lukuta Simwa et Sivunabui Rabobote auraient participé à plusieurs attaques en secteur de Rwenzori, dont celle de Nzenga, précise lieutenant Donny Mwalushai. Alors, de ce fait, nous avons réussi à capturer des sujets ougandais qui combattaient dans le rang des ADF. Ce sont des terroristes parce qu'eux-mêmes avouent qu'ils ont tué, qu'ils ont participé dans plusieurs massacres de Rwenzori, entre autres, et au village Nzenga. Nous allons vous présenter M. Paluku Tassimwa Sivunabuirwa et M. Bobote. Tous sont des sujets ougandais. Le village Los Elos s'institue un groupement Malambo secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni, à plusieurs dizaines de kilomètres à l'est de la ville de Beni. Le secteur de Rwenzori a été un champ de combat entre les groupes armés ADF et les FARDC depuis plus d'un semestre.